Il ne vous reste donc plus que quelques jours maintenant pour penser à vous inscrire sur les listes électorales dans votre mairie, puisqu'il y aura une échéance l'année prochaine, l'échéance des élections régionales. Le premier tour se tiendra le 14 mars prochain. Il faut donc penser à vous inscrire avant le 31. Et pour cela, rien de plus simple, hein, puisque vous devez bien sûr avoir au moins 18 ans. Il faut aller en mairie, comme sur ces images à la mairie de Lille, avec une pièce d'identité, pardon, et puis un justificatif de domicile. Alors certaines mairies tentent de vous faciliter les choses aussi, comme par exemple à Lille, avec l'aide d'Internet. Écoutez les précisions pour ce dispositif. Nous avons aussi une possibilité pour les personnes qui souhaitent s'inscrire par correspondance. Elles vont sur le site de la ville de Lille et donc elles téléchargent le document d'inscription qu'elles nous renvoient avec un justificatif d'identité et un justificatif de domicile. Et donc tout cela, bien sûr, avant le 31 décembre. Il faut qu'on l'ait reçu avant le 31 décembre pour que ça puisse être pris en compte. Voilà, ne tardez donc pas, même avec l'aide d'Internet.